Oui, ben écoute, là, euh, je vais passer en live, là. Ouais, ouais, je, ouais, ouais, je sais, je sais. Il ouais, va encore y avoir dix personnes qui vont se perdre sur le live, tant pis. Hein, qui... Ah, vous êtes là Oh, qu'est-ce que c'est oh <laughs> Voilà, il n'y aura plus de budget pour le Mac mini. <laughs> non, il était temps. Il était temps mon Pixel 3 euh, commençait à fatiguer un peu. Et puis euh, vu que j'étais en train de faire une grosse replongée euh, dans l'écosystème Apple et qu'à à chaque fois euh, eh ben, je trouvais que c'était de mieux en mieux. Et eh ben, je suis allé jusqu'au bout. Donc maintenant voilà, c'est la totale. Le MacBook, l'iPad et un iPhone. <laughs> ah, ça va, une petite mise en scène pour rigoler. Euh, ouais, je, je vous ferai un petit retour quand euh, je l'aurai suffisamment utilisé, mais là, il euh, là, y a quand même beaucoup d'interactions qui étaient déjà. Ouais, tout ça pour coder en Python sur un iPhone. Exactement. Actor Studio. Euh, et un MHP 30 pour désosser l'iPhone. Ah oui Bah oui évidemment il faudrait le... Mais je sais pas, il est, il est trop petit le, le MHP30. Euh, et j'aurais dû normalement commencer, euh, puisque bien sûr je m'y suis toujours pris autant à l'avance. Et j'étais en train de, de coder. Ouais, c'est un mini mini, mais un mini, euh, non, c'est pas un mini iPhone. Non, non. C'est... Voilà. Un fer à repasser qui fait le job, ouais, pour euh, désosser tout ça. Euh, ouais, les interactions sont vraiment sympas. Euh, franchement, euh, tous les trucs que j'étais obligé d'installer ou de bricoler pour euh, bah, pour mon téléphone Android, là j'ai dit adieu. Euh, on peut directement, sans rien faire, euh, euh, bah, gérer gérer ses SMS. J'ai des gamins qui aiment bien communiquer par SMS. Euh, me taper une vue dans le navigateur en plus ou je ne sais quoi, c'est pas là direct. Euh, on a un message qui marche sur toutes les sur toutes les machines, c'est pratique. Je me suis amusé à passer un appel, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas mal aussi. Donc voilà, 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 c'était la news. Et donc en vrai, euh, j'avais depuis mardi, suite à un commentaire de, de Conguino, euh, je m'étais relancé sur Godot. Euh, je me suis même repris carrément une petite formation euh, au lieu de naviguer entre 12 000 tutos. Il y en a plein, hein, mais euh, j'aime beaucoup ce que fait euh, GDQuest et il se trouve qu'ils vendent des formations. J'en ai pris une à 15 dollars là. Euh, donc je me suis replongé dedans, mais euh, j'avais pas tellement mieux, j'avais pas tellement avancé plus que la vidéo que je vous avais faite il y a longtemps, puisque c'était en septembre, donc c'était même pas les confinews. Euh, je manque évidemment, alors là j'ai strictement rien préparé. On va y arriver au, au pourquoi de la chose dans un instant. Hop. Hop, le lien du Discord, si vous voulez nous rejoindre. Et euh, oui, donc je voulais, je voulais vous remontrer un coup de Godot, mais je voulais vous montrer plus que euh, la vidéo que j'avais faite. Voilà le deuxième lien qu'il faut que je vous partage, Hop. où j'avais fait euh, un une présentation et deux un petit bout de live coding euh, dans mon remake euh, de Jetpack euh, du Spectrum. Faudrait que je le reprenne, mais euh, pff, il y avait déjà des choses avancées que j'avais fait en zappant un peu certaines étapes pour aller vite et vite et euh, voilà ce coup-ci je prends le temps de tout piger on verra où ça mène et je vais vous remettre le lien tout de suite euh... tac est-ce que ça marche ça oui oui hop voilà Donc je me suis dit que ça valait pas le coup de, de vous faire pas mieux en fait, en présentation de ce que je fais avec Godot de temps en temps, euh, si Kong a envie qu'on détaille, je lui ferai un petit détail, j'aimerais vous montrer des choses, j'ai quelques idées là, outre autre que le, le, le jetpack et puis de, de me refaire les bases, mais proprement, j'ai déjà pigé des trucs que j'avais un peu fait euh, en recopiant des choses comme un comme un singe, comme on dit. Euh, et donc euh, je voulais démarrer l'émission à la fois sur une blague avec, avec l'iPhone mais aussi avec l'iPod euh, avec l'iPhone et l'iPad et j'ai euh, commencé à, à faire une interface pour euh, bah, le bout d'appli que je vous ai montré l'autre jour là, pour piloter euh, Ecam mais genre je m'y suis mis euh, à moins le quart passé euh, pour l'émission, c'était un peu court donc j'ai juste euh, compris comment fonctionner. Euh, je peux peut-être vous montrer ça d'ailleurs dans un premier temps. Si l'iPad veut bien, je pense que oui. Euh, C'est un des points à l'avantage de Pythonista. C'est que la partie UI, euh, ils ont un, un outil. Alors attendez, je vous partage ça. Hop. Voilà, ça marche toujours. Ils ont un outil qui permet de, de designer euh, les UI. Euh, intégrer alors tac 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 voilà Et ça génère des fichiers .py donc c'est tout bête hein vous voyez donc là c'est le vous voyez le oui oui je suis d'accord l'éditeur UI est, est terrible après il y a trop de trucs que j'ai l'habitude d'utiliser notamment euh, euh, je code plus autrement mes chaînes maintenant j'utilise les formats string là les f strings de python 3.7 je crois et euh, j'ai le 3.6, ou c'est un 3.6 peut-être. En tout cas, le, le 3.6 qui est dans Pythonista ne sait pas gérer ça. Et franchement, c'est dommage parce que c'est une façon d'écrire les chaînes en ayant des paramètres à l'intérieur qui est quand même plus pratique. Bref. Euh, ah oui, l'autre truc que je voulais vous montrer. Tac, j'aurais dû le faire avant, hein, en véritable professionnel, bien entendu. Mais j'ai oublié de le faire. Est-ce que je vais retrouver. Voilà, c'est Assistive Touch, je crois. Est-ce que c'est bien ça Pas du tout. Bon, eh ben voilà. bien, tant pis pour moi. Je voulais vous montrer le... Tant pis, je le referai une autre fois. Que vous voyez auxquels quels endroits j'appuie en même temps. Donc là, l'éditeur, ben, le, le, la partie là, avec le, le quadrillage au milieu, là, que je suis en train de zoomer, dézoomer. Euh, hop, si je suis là... C'est la partie où dans la partie à droite il y a l'inspecteur, donc je peux, je peux changer sa taille, changer sa forme, un tas de trucs. Et puis après, ben, tout simplement, une fois qu'on est dans le canvas, il y a un plus là tout là-haut. Je vais vous le faire comme ça. Et on a tous ces objets graphiques en fait qui existent déjà. Donc c'est quand même pas mal de ne pas se poser trop la question des, de la, du design graphique de, de petites applis sympas sur l'iPad. Moi je vais faire des, des pas mal d'utilitaires, je pense, dans les choses dont j'ai besoin. Euh, donc là, euh, par exemple, on peut très bien imaginer euh, euh, une zone de saisie pour euh, changer le, le port ou un truc qui le détecte automatiquement si je fais un client sur l'IMAC e pour Ecam, et puis rajouter euh, quelques boutons. Donc, vous voyez, si j'appuie là-dessus, euh, j'ai donc un bouton que euh, je peux promener là, tactilement. Là, hop, avec mon doigt, je le déplace. On a accès dans le panel inspector à toutes ses propriétés de taille, de positionnement, de redimensionnement. Enfin, il y a vraiment euh, sa couleur, sa bordure, il y a vraiment beaucoup de choses. Et euh, notamment, donc là j'avais changé le titre du bouton pour que ça apparaisse. Et ici, vous voyez une zone qui s'appelle Action, où on met le nom d'une fonction euh, qui sera appelée euh, quand le, le bouton euh, sera euh, appuyé. Si je vous montre la partie... Il y a peut-être la navigation, je trouve, entre les fichiers qui n'est pas terrible dans Pythonista. Je n'ai pas trouvé de moyen génial de passer de l'un à l'autre et euh, c'est dommage. Et dans la partie code, donc peu importe ce qu'il y a euh, au-dessus, tout ce qu'il vous faut, c'est à partir d'ici, en fait. Donc, on fait juste un, un import UI qui importe le module euh, de Pythonista. On définit... Alors là, euh, en l'occurrence, bah, le, le bouton ne fonctionne pas, mais... Euh, c'est le code que je souhaite mettre à l'intérieur. Donc j'étais vraiment en train d'aller à l'arrache et à l'arrache. Euh, je peux vous remettre l'exemple le, tel qu'il était au départ. Donc là la, la fonction button on la met sans paramètre dans l'éditeur. Et il se trouve qu'une fois dans le code, il y a quand même un, un paramètre qui représente l'objet qui a appelé cette fonction. Et par exemple, cet objet... Hop là bien sûr passe en majuscule je te dirai rien normalement si je ne me suis pas gouré voilà il a une propriété le, le bouton qui s'appelle title et là je quand j'appuie dessus je lui dis bah change change pour un autre titre si je lance donc voilà l'application avec le bouton que j'ai rajouté tout à l'heure où j'ai pas mis de code qui s'appelle button celui qui s'appelait ZV1. Si j'appuie dessus, toc, vous voyez, il a changé le title. Le code s'est bien exécuté. Donc là, l'idée, ça va être de, de faire un quadrillage de, de boutons où euh, je rendrai ça paramétrable. Donc je pense que je, je créerai ça en deux temps. Euh, D'un côté, euh, la, la dialogue elle-même qui va servir d'application avec les différents boutons représentant les actions, euh, soit pour piloter directement les camps, ou soit tout ce dont j'ai besoin pendant euh, le live, en fait. Et puis, euh, soit une deuxième dialogue indépendante ou une dialogue qui interagit avec celle-là, où on pourra euh, régler euh, euh, les différentes actions accessibles, euh, les backgrounds, enfin un certain nombre de choses euh, dans ce goût-là. Seulement, voilà, codé en moins d'un quart d'heure en découvrant euh, la UI, en me rappelant plus comment j'avais fait fonctionner les appels et tout. Euh, il se trouve que la, la request, elle ne fonctionnait pas. Et je pense que tu peux faire ta boîte à son Kaamelott et pour la distribution d'appli euh, c'est pas très clair en fait euh, j'ai pas bien saisi le, le fonctionnement il euh, n'y euh, a pas directement au sein de Pythonista après euh, euh, suivant comme elle est écrite non je pense que dans tous les cas il faut que la personne elle est Pythonista et tu ne pourras pas te mettre sur l'app store tu peux le distribuer comme étant un script qui ira bien mais euh, je crois que tu n'as pas de packaging avancé de toute façon je pense que ça irait à l'encontre des, des règles de l'app store ce qui est un peu dommage parce que ça serait vraiment un moyen super facile de faire des applications, euh, euh, bah, même directement sur l'iPad. Euh... Alors il faut la clé de dev, ça c'est encore un autre truc, je suis d'accord, il y a la clé de dev, mais même en admettant euh, qu'on ait la clé de dev, qui est encore une, une belle arnaque, que ce soit chez Apple ou chez Android, hein, puisque pour pouvoir la distribuer sur le store, de toute façon, on se met à cracher au bassinet, plus ou moins cher. Mais euh, déjà, s'il y avait moyen de packager l'application, euh, ce, serait, ce serait pas mal, mais je crois que ce n'est pas prévu. Par contre, tu peux me l'envoyer, on est d'accord. Bien sûr, le script, tu peux m'envoyer le script, il n'y a aucun souci. Euh, là, moi, ce que je vous ai montré l'autre jour, euh, je vous rappelle que depuis Pythonista, là, le code que vous voyez, euh, en fait, il est euh, directement euh, dans le répertoire qui est géré par euh, Working Copy ou par ASH. Et je peux le committer, j'ai un repository GitLab, je vais le... Je vais le pousser dedans de toute façon. Donc oui, ce côté-là, on n'a on a aucun, aucun souci à s'échanger du code de là-dessus. On fait bien comme on veut. Mais c'est vrai que je ouais, n'ai pas vu de module. Donc, euh, gros gros, gros point positif pour Pythonista par rapport à Pito qui pour l'instant n'a pas cette, cette fonctionnalité-là. Et après, bon, il ben, y, y a toujours le... Ouais, ce petit écart de version et le choix des modules qui est meilleur chez Python quand même. Hein, de ce que j'en ai utilisé, c'est quand même plus à jour et il me manque des petits trucs quand même de temps en temps. Mais par contre, la côté UI et du coup faire une application euh, qui est une interface graphique, je pense que Pythonista pour l'instant est clairement en tête. Donc voilà, c'est pas c'est pas la démo Godot que je voulais vous faire. Euh, de temps en temps, vous avez euh, Xavier qui passe, qui me fait le plaisir de passer sur le live. Xavier Binaugure. Euh, dont peut-être je peux vous partager par exemple sa chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés euh, par, euh, par Godot. Il est aussi derrière le Discord francophone si je me rappelle bien. Hop. Tac. Euh, il est en live très régulièrement. Et je pense. Non, il n'a pas de broadcast à, à, à l'heure actuelle, sinon je vous aurais envoyé chez lui avec un grand plaisir euh, tac je vais vous copier l'adresse voilà donc il, il utilise parfaitement euh, godot euh, puisqu'il il a une application euh, android que j'avais acheté d'ailleurs est ce qu'il y a une version iPad j'irai voir qui permet de c'est un jeu qui simule vous gérez euh, c'est un petit jeu de, de simulation un peu économique si vous voulez où vous gérez un studio de développement euh, en commençant euh, euh, tout petit dans une pièce avec votre ordinateur tout seul à tout faire vous-même euh, pour euh, en plus il y a une évolution euh, des, des historiques bah, je, je vais vous retrouver ça il est bien ce petit jeu je ne sais pas si j'en avais pas déjà parlé on va y retourner donc binaugure c'est le nom de son studio donc le jeu s'appelle City Game Studio si je dis pas de bêtises Hop. et c'est avec grand plaisir que je lui fais une petite pub au passage Franchement le jeu est super super sympa. Je vous envoie. Voilà la page d'index. Et puis je vais vous le partager en même temps, qu'on puisse en parler un peu. Voilà, c'est pas plus mal quand je prévois pas les choses. Des fois ça aboutit à des choses sympas. Donc là, il vous montre les, les différents jeux en fait qu'il a. Et, tac. City Game Studio. Voilà. Game Dev Tycoon Mixed with a City Builder. Oui, il fait référence. Il y a un autre jeu comme ça où on gère un studio de, de dev qui s'appelle Game Dev Tycoon. Euh, là, ça mixe aussi le fait qu'en même temps, vous allez euh, gérer euh, l'intérieur de, de votre studio. Vous allez acheter des, des bureaux et des ordinateurs plus performants pour vos développeurs. vous allez C'est vraiment super bien foutu. Et euh, moi, je trouve ça euh, super rigolo à jouer. Alors, euh, au final. On peut l'acheter sur Steam, donc j'y ai joué là, mais il me semblait que je l'avais sur Android aussi. Je vous laisserai regarder. Euh... Oui, c'est vraiment bien. Moi je trouve que c'est vraiment bien. Je vous conseille si vous aimez passer du temps dans des jeux un peu de, de simulation économique ou de, de construction. C'est vraiment pas mal du tout. Acheter du matériel performance et un jeu de fiction. Ah, pas toujours. Euh... Euh, C'est pas toujours les personnes euh, qui en ont besoin qui obtiennent le bon matériel dans les studios de dev, mais euh, il mais y a quand même du beau matos euh, dans certains studios de dev quand même. Euh, et toujours lié un peu au monde du dev, je voulais vous partager une petite news que j'ai seulement vu passer ce matin, je sais pas de quand elle date, peut-être que d'aujourd'hui d'ailleurs, euh, qui nous vient de chez Nintendo, qui va nous sortir un nouveau produit qu'ils ont appelé Game Builder Garage qui ce matin encore ici avait une jolie, euh, un joli petit bouton euh, prix order sur lequel j'ai cliqué pour aboutir à ça. Et quand je suis revenu, ils avaient enlevé le prix order. Ce n'est pas prêt pour le prix order. Je l'ai mis sur la wishlist. Euh, ça devrait, s'ils ne changent pas le prix, c'était à 30 dollars. Donc, c'est pas une... C'est pour euh, continuer euh, leur gamme de... de logiciels qui sont un petit peu plus smart, on va dire. Là, c'est ni plus ni moins qu'en espèce de, je sais pas, de scratch. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. En tout cas, de... De programmation visuelle sur, euh, sur la Switch, qui en théorie devrait vous donner les bases, ou donner les bases à des jeunes ou à des gens qui ne savent pas coder, euh, les bases de, la, de toute la logique nécessaire pour apprendre à coder depuis la Switch. Ce que je ne sais pas, puisque là il y a vraiment très peu d'infos à part une vidéo de démo et puis quelques photos d'écran comme ça. Euh, ce que je ne sais pas, c'est jusqu'où ils vont aller, mais ça risque d'être euh, en tout cas plus intéressant à mon sens que toute la gamme qu'ils avaient sortie auparavant qui s'appelait... Je vais poser l'iPad. Qui devait s'appeler Nintendo Lab, si je dis pas de bêtises. Euh, Nintendo Labo, pardon. Euh, qui était cette, euh, cette gamme là où euh, en fait on achetait à la fois euh, un objet à construire à base de carton. Donc il y avait un piano, un guidon de moto, une maison et une canne à pêche. Et on avait le code qui allait sur la Switch pour avoir un truc un peu interactif et vaguement. C'était plus paramétré que codé avec. Donc l'idée était très bonne. Mais euh, moi j'avais trouvé ça mais, euh, honteusement cher pour deux bouts de carton et, et une petite appli à chaque fois. C'était quand même pas top. Euh, mais ça avait quand même eu un petit succès. Et il y a aussi Tony Hawks qui va sortir sur la Switch. Je te confirme, Stéphie, Mais ça, ça sera. Si, je vous le partagerai aussi. Il y a des chances que je plonge aussi sur le Tony Hawks. Ça me rappelle trop de trucs. Euh, il y a deux apps pour coder sur Switch, mais pas adaptées aux gosses. Eh ben, je sais pas du tout. Alors Nintendo Labo, ouais, c'était génial. Il y avait même une espèce de truc où tu devenais un espèce de robot. Tu te faisais un costume de robot en carton et euh, tu pouvais interagir dans un jeu comme un gros Godzilla. C'était rigolo, mais franchement c'était cher. J'avais regardé les possibilités d'interaction, on n'allait pas très loin, donc c'était pas génial. Euh, là, ce qui me fait dire que ça ira plus loin, c'est qu'ils ont même prévu de, de pouvoir rajouter une souris sur la Switch. Euh, et ça, ça c'est pas mal. Et bah tiens, Goose, tu peux nous donner ton avis sur le la Nintendo Labo alors. Moi, je les ai. Si j'ai eu celui avec la canne à pêche en main, c'était quand même pas génial. 14 euros en solde. Mais t'as quoi pour 14 euros Parce qu'il y a l'objet euh, cartonné qui va avec. T'avais réussi à avoir pour 14 euros un Nintendo Labo Le robot complet, celui où on se déguise dedans Ah, tu vas me rendre jaloux, là. Bon, toujours est-il que c'était moins, moins fun. Par contre, là, j'ai l'impression qu'ils veulent surfer sur. Euh sur les choses à la scratch et je pense que c'est une bonne idée. Je suis dégoûté que tu aies eu le robot pour 14 euros parce que si je l'avais eu à ce prix-là, je vous aurais fait une vidéo déguisée en robot obligé. <laughs> il y en a un qui va me trouver des soldes. Euh, ouais, je pense que ils tiennent un truc là et il euh, y avait eu sur euh, comment ça s'appelait sur PlayStation, ils avaient sorti un truc comme ça. Euh, ça devait s'appeler Dreams je crois, non c'est pas ça. Non ça, ça ressemble pas à ce que j'avais en tête. Ah si c'est bien ça, voilà. Euh, qui permet de... Alors je sais pas si c'est pas que pour de la VR, non Bref, il y avait un peu cette idée-là de, de, de rendre codable depuis la console. Oui, c'est ça. Ça veut dire c'est vite, c'est vite passé. Alors que pour moi, je sais pas trop. Après, il y a plein de gens qui ont décortiqué les, les bandes annonces de Nintendo en disant que il euh, y aurait sûrement une, un côté un peu comme dans Roblox où on peut quand même aller vachement loin hein, dans la création de jeux. Il y a 30 secondes sur Twitter. Est-ce que je vais réussir Ah, mais non, c'est vrai je ne peux pas copier. Je vais le faire par là. Hop. En direct depuis le stream manager du grand patron, comme dirait l'autre. Hop, alors. Nous avons. Bbox qui nous a parlé de Smile Basic 4 qui m'était complètement passé à côté. l'as utilisé b-box je suis preneur d'un commentaire et puis bien entendu euh, euh, ça pue l'achat derrière si c'est un minimum intéressant et le deuxième lien ah tu viens de me faire envoyer sur un lien jeuxvideo.com non pas de jeuxvideo.com chez moi je peux pas supporter ces enfoirés hop Ah, t'as pas craqué, t'en sais rien. Ben, je vais aller faire un petit tour. Tu dis Small Basic. Small Basic. Small Basic 4. Et ben. Euh, on va regarder ça. Smile Basic Nintendo 3DS. Ah, mais c'est. Non, si, Switch aussi. Et ben, je. je... Oui, ça, ouais, ça. Pourquoi pas? Alors après euh, le clavier à l'écran comme ça, ça veut vite être saoulant, mais il euh, y a sûrement des astuces. Ah, oh, c'est marrant! Donc, si on était sur le Discord, vous auriez pu sortir l'emoji le, attention achat en vue. Non, ça a l'air pas mal. <laughs> c'est pas grave goose, je suis pas fâché. <laughs> euh... Ah oui, mais sur la nouvelle app, il ouais, ouais, y a plein de... Il suffit de chercher Game Builder Garage et il y en a plein qui font des analyses. Je... Voilà, c'est le 11 juin, c'est bientôt là. Donc. Euh... Et l'autre s'appelle Fuse4. Ce que je sais pas, c'est... Euh bon alors Ce qu'on qu peut faire, on verra. Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir un clavier d'une manière ou d'une autre Parce que. Soit tu as un environnement graphique et c'est génial, il n'y a pas de souci. Mais si tu as besoin d'un clavier, euh, je sais pas si la Switch, s'il y a moyen. 23 avril 2020. Ah oui, c'est quand même récent, je ne l'ai pas vu, tiens. Ok, et l'autre, tu m'as dit. Hop. Nintendo. Fuse 4. Une application de codage pour Nintendo Switch. Ben, on va voir ce que ça donne. Par contre, c'est quoi C'est une précommande, c'est ça Non 15 balles Je vais vous faire une grande confidence. J'ai acheté des jeux sur ma Switch. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai jamais, euh, je suis jamais passé par le par le eShop. <laughs> non, regarde pas, ne regarde pas, non. Non, mais c'est intéressant, euh, la, la Switch. Je, enfin, moi, je suis un, un grand fan de toutes les consoles Nintendo euh, que j'ai toujours trouvé euh, comme étant très équilibrées. Euh, à part quelques petits couacs. Euh, entre la, après la N64, c'était un peu moins bien. Ah flashback sur Switch. Bah ben moi j'attends euh, Lunarc, pareil, un autre jeu euh, fait par un Français si je dis pas de bêtises qui est en... qui avait été en Kickstarter et qui approche de sa sortie, qui est en early access sur Steam. Lunark, c'est le jour des pubs, en bon, avant, c'est pas cher. Il est très sympa le développeur, il partage beaucoup de choses et voilà ça devrait quand même ça devrait vous parler ce genre de choses alors je ne sais pas du tout si je partage mon écran si vous le voyez ici ça a l'air voilà ce genre de choses très pixel art joanne vinette très très sympa qui partage beaucoup de choses sur twitter il participe encore à des game jam et tout ça voilà Un petit perso en pixel art il est très très fort en en pixel art je trouve les animations sur cette taille-là. Bref, moi je kiffe. Donc je l'ai bien entendu financé. Il y a déjà plus d'un an, je pense. Et là, on approche de la sortie. Et j'ai hâte. Voilà, ça va me rappeler des trucs, ce genre de jeu. Vous irez voir ça. Hop, je vais vous mettre le lien. Ah, graphiquement, j'adore. C'est un peu comme euh, Slormancer que je vous ai montré l'autre jour. Je m'éclate en ce moment, j'y joue régulièrement. C'est vraiment, euh, vraiment super cool. Ben voilà, on a eu du grain à moudre pour, euh, pour la suite. Euh, pff, ouais, il y a, y, a, y a un peu d'idées de Metroid, il y a des idées de flashback aussi. A... C'est un bon petit platformer. Euh, a priori, euh, pas trop facile non plus. Donc c'est bien qu'il y ait un peu de difficulté sur un platformer, ça peut être sympa. Mais voilà, donc euh, moi je me retrouve devoir aller voir Smile Basic et Fuse. Je vais les mettre côte à côte là. J'irai voir ça en guise d'apéritif. <laughs> donc ouais, il faut encore que je comprenne comment marche le e-shop. E je euh, sais pas s'il y a un truc à activer euh, sur, la, sur la Switch elle-même. J'imagine qu'il faut rajouter un truc dans le compte. J'ai un compte Nintendo bien sûr, mais... Euh, tu l'as mis sur Discord, t'as bien fait. <laughs> <laughs> Donc voilà, voilà. Euh... Souvent les lundis j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et après les mercredis, jeudi, comme j'ai plus rattrapé le temps de boulot, j'ai moins de. J'ai moins de trucs précis. Euh... Dans ma liste, j'ai toujours, je suis en train de penser, à cette catastrophe que je suis, il faut que j'arrive à trouver un créneau. Avec Alex pour qu'on vous fasse une petite émission, il a plein de choses à vous dire sur les machines qu'il euh, qu répare et qu'il bricole. Et puis euh, bah, si tu passes sur cette vidéo, euh, Xavier Binogur, hein, si tu veux venir nous parler de, de ton jeu et de Godot, ce serait avec plaisir aussi, tiens. Je te fais te contacter. Ce serait sympa. Ça intéresserait beaucoup de gens, je pense. Donc On duno qui n'était pas là aujourd'hui, j'ai l'impression, et qui regardera la vidéo plus tard. Bah voilà, je pense que. Hein, le Discord de la tentation va pas mal parler de switch dans l'après-midi à mon avis il y a des pulsions d'achat qui vont qui vont fuser exactement en plus il va pouvoir nous parler de de son, de son réchaud pour faire cuire des oeufs ou des composants au choix <laughs> Euh, je vous ai pas demandé pendant le... J'ai désactivé euh, l'enregistrement local. J'ai l'impression que la désynchro est restée dans une mesure raisonnable entre voix et vidéo. Donc j'espère que c'était moins galère. Je regarderai ça après coup. On verra ce que ça donne. Ouh là là, attention Monsieur B-Box. Tu viens de chercher l'embrouille avec Alex. Tu vas devenir sa cible. <laughs> Pardon, tu vas devenir sa cible. Pas de kung-fu aujourd'hui, j'en suis ravi. Donc il y a un truc qui déconne. J'ai euh, eu quelqu'un du support de façon de Cam qui a commencé à me poser les questions. Donc euh, j'espère qu'on va arriver à identifier quelle était la chose qui posait problème sur ma machine parce que j'imagine que je ne dois pas être le seul. Mais euh, bon, c'est pas très grave dans la mesure où euh, derrière j'ai de la bande passante et je peux récupérer depuis Twitch. Euh, le, le résultat de la vidéo en, en bonne qualité mais c'est un peu couillon, quoi, ça, ça marchait bien alors est-ce qu'il y a un truc sur ma machine, c'est ce qu'il a commencé à me il m'a posé des questions on va essayer de mettre en place un truc pour surveiller les, les accès disques pendant que je suis en live, je referai sûrement des essais donc vous étonnez pas, il y aura des, des lives qui ne seront pas des vraies émissions mais, euh, mais qui permettront de, de tester 2-3 bricoles Et eh bien c'est tout pour moi aujourd'hui. Euh, si vous avez une, des questions, mais je pense pas parce que j'ai pas exposé des choses très difficiles. Je pense qu'on va re sur le Discord au sujet de Il va me dire de prendre un M1. Ouais c'est possible. C'est possible. Mais l'affaire n'est pas complètement close, tu te doutes bien. J'ai déjà des, des projets à l'œuvre pour, pour remettre la situation dans le bon état. Vous le saurez sur le Discord, je vais avoir des trucs à vendre. <laughs> et bien sur ce, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Et puis une bonne journée aux autres où que vous soyez dans le monde. Euh, bien entendu, coucou aussi si vous regardez ça en replay sur YouTube après. N'hésitez pas que ce soit sur Twitch ou sur YouTube à vous abonner aux différentes chaînes. Euh, D'abord, euh, ça me fait plaisir, c'est aussi bête que ça, et puis surtout, ça vous permet de savoir quand je poste un truc, si j'oublie de, de balancer un tweet ou autre, euh, ça vous permet d'être au courant. Bonne journée à vous, à très bientôt